Cher Pierre de Lauzin, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver après cet automne, après cette période d'incertitude, de conflit, pour évoquer avec vous un certain nombre de questions d'ordre financier et spirituel qui nous intéressent, puisque vous êtes à la fois un homme de la finance, par votre expérience, par vos compétences et votre expérience professionnelle, mais vous êtes aussi un homme qui a beaucoup réfléchi sur les textes et qui a écrit une quinzaine d'ouvrages sur ces questions d'éthique et de finance et d'économie. Et donc, je suis ravi de vous recevoir. Alors, une des choses que vous avez apportées, certainement, c'est développer une première idée qui m'intéresse dans vos travaux, c'est le côté économique, si je puis dire, des écrits évangéliques. Oui, parce que c'est quelque chose qui n'est pas souvent mis en valeur ou mis en avant. C'est que quand on lit les évangiles avec ce bon angle et qu'on compare aux autres textes religieux, quels qu'ils soient, on s'aperçoit que les évangiles sont les seuls qui utilisent en permanence des thèmes économiques, des exemples économiques, des paraboles à sujet économique. Quand je dis à sujet économique, ce n'est pas simplement de parler de riches ou de pauvres, mais de faire un raisonnement économique. Et ce raisonnement économique est tenu par le Christ très régulièrement dans des dizaines de paraboles pour naturellement faire passer un message qui va bien au-delà de l'économie. Mais il est intéressant qu'il utilise ce vocabulaire économique. Et à mon avis, c'est parce que les vocabulaires économiques parlent à tout le monde sous cette forme-là. Oui. C'est-à-dire des notions de base de relations économiques, de prix, d'achat, de vente, d'investissement, etc. Tout le monde comprend. De quoi il s'agit. En tout cas, il est le seul à le faire. Absolument. Vous regardez l'Ancien Testament, vous parlez riche et pauvre, il n'y a pas de raisonnement économique. Le reste des Nouveaux Testaments, pratiquement pas. Et alors, les autres religions, pas du tout. Dans l'islam, on vous parle de règles en matière économique, de corps juridique, mais il n'y a pas de raisonnement économique. Il n'y a pas de raisonnement. Les religions orientales de l'Inde, issues de l'Inde, on n'en a pas non plus. C'est pas leur sujet. Donc, il est complètement spécifique. C'est vrai. Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'il le fait avec un double aspect, c'est-à-dire d'un côté, les raisonnements de base sont utilisés, et donc en un sens validés, puisqu'on dit, attendez, mais on voit bien la foule, on leur dit, ben voyons, c'est bien évident qu'eux, et tout le monde dit, bah oui, c'est évident, quoi. Donc, tout le monde valide. Et en même temps, évidemment, on dépasse avec le discours critique sur l'argent et la notion, l'idée de dépasser. C'est une perspective qui serait étroitement économique. Mais on le dépasse sans dire ça ne vaut rien. C'est on le dépasse à la limite en restant dans ce cadre-là, mais en disant attendez, il y a un facteur qui est la vie éternelle. Alors, vos petits raisonnements, ils gardent leur valeur. Simplement, si vous remettez un facteur infini qui est la vie éternelle, ça change tout. Ça change tout pour le motif final. Et ça ne fait pas disparaître la vie ordinaire. Absolument. Et donc, il y a ces deux niveaux qui sont très, très intéressants. Et oui, effectivement, et aujourd'hui, de toute façon, c'est vrai aussi que l'Église catholique a un discours sur ces questions. Elle a un discours important sur les questions d'organisation économique et sociale. Et par conséquent, votre réflexion est d'autant plus opportune parce qu'effectivement, elle se tient au courant d'un certain nombre d'évolutions. Elle a fait des travaux assez intéressants et a produit des travaux assez intéressants sur les questions de finances. Et là, vous avez aussi une très grande connaissance de tous ces textes. Vous avez été associé à un certain nombre de ces textes. Non, j'ai été associé récemment à un texte, mais qui n'est pas sorti sous cette forme-là, qui concernait l'investissement. Oui. Une perspective. Le texte disait en perspective de foi. D'accord. Alors, il va sortir probablement sous l'égide de l'Académie catholique des sciences sociales, mais pas comme texte du Vatican, ce qui était prévu à l'origine. D'accord. Donc, c'est intéressant de participer dans ce cadre-là à l'élaboration de cette réflexion. Bien sûr. Je trouve d'ailleurs dommage que le texte ne soit pas sorti parce qu'il était éminemment perfectible, hein, mais il ne me paraît pas normal à ce stade qu'il n'y ait pas un discours là-dessus. Oui. C'est-à-dire que l'investissement éthique est quand même quelque chose qui maintenant est beaucoup plus familier des gens qu'il y a 20 ans. Il y a eu des conférences épiscopales, la première était l'américaine, mais il y a eu les autres après, les françaises, l'allemande, etc., qui ont produit des textes à leur niveau. Mais un texte au niveau de l'Église universelle, c'est actuellement, il n'y en a pas. Il y a eu trop récemment un texte qui s'appelle Economicae Pecuniae Questiones
c'est-à-dire question économique et financière. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, mais qui est plutôt la macroéconomie, oui, la macrofinance. Il fait allusion à la question de l'investisseur, mais il n'y répond pas. Il n'y répond pas notamment parce qu'il devait y avoir un autre texte, justement. Oui, absolument. Qui n'est pas sorti c'est à ce un texte qui est d'ailleurs assez brillant d'un point de vue analytique et qui démontre bien les systèmes, mais qui n'est pas très conclusif sur l'action à mener pour réformer. Voilà, alors c'est un peu la limite. Alors c'était peut-être son parti qui était de traiter cet aspect-là, puis d'autres devaient traiter d'autres aspects, ça peut être pour ça, mais ça peut être aussi par le fait que forcément un texte Vatican, tout en allant plus loin quand même que ce qui est fait, ne peut pas aller complètement aussi loin qu'on le voudrait, dans la mesure où, d'abord, il n'y a pas nécessairement les gens compétents pour le développer, mais surtout, à un moment donné, c'est plus à des prélats à dire, c'est à des, plus à des laïcs, dans leurs responsabilités, leurs compétences, à faire l'étape intermédiaire entre ces textes forcément un peu généraux et puis les questions pratiques qui se posent. Or, c'est là où il y a le besoin subsiste, c'est-à-dire la production est, à mon avis, insuffisante. Bon, effectivement, moi j'essaie de mon côté, d'autres essayent du leur, mais l'ensemble n'est pas suffisant par rapport à l'intérêt de la question. Et l'investissement est un bon exemple. L'investissement est un très bon exemple. Donc ça, c'est effectivement un chapitre qui va nous passionner en parlant avec vous ce soir. Et effectivement, une des choses moi, qui me frappe, c'est que vous avez été au cœur d'une série de réformes financières qui ont eu lieu en France, en particulier en Europe, ces dernières années, dans le cadre de vos responsabilités. Alors, rappelez-nous vos responsabilités, justement, sur ces sujets, puisque vous avez commencé, je crois, au Trésor, vous avez fait Polytechnique, vous avez été au Trésor assez vite ou... J'étais au Trésor, donc j'ai été au bureau des banques, donc occupé des banques qui étaient nationalisées à l'époque. J'ai été conseiller financier à New York. À New York, oui. Donc c'était Wall Street, en fait. Bien sûr, oui. J'ai été dans le groupe GAN-CIC jusque en 98, oui. Où je présidais une banque qui s'appelle l'UIC, qui était le deuxième sinistre bancaire français. Donc moi, j'étais pas le sinistreur, moi j'étais la femme de ménage. Hein, mais l'ensemble a été vendu, et moi avec, à des fonds sous gestion Goldman Sachs. Et donc j'y suis resté pendant un an et demi, quoi, à peu près. Avec des actionnaires très capitalistes. Alors, avec un milieu culturel très très particulier. Très capitaliste. Vous savez, ça fait à peu près le même effet que d'être pris dans un bateau corsaire, vous voyez. Ouais, avec des gens brillantissimes, ouais, hein, remarquables, mais une culture radicalement différente. Absolument. Oui, mais disons que vous avez connu un tout même un peu à New York, donc ça oui, mais à New York, c'est d'abord c'était là, en moyenne. Là, j'avais un exemple plutôt un peu extrême. Et puis j'étais dehors quand même, puisque j'étais en statut diplomatique, qui n'est pas du tout la même chose que d'être dans la maison elle-même. Voilà. Ouais. Alors ça permet de situer l'homme, parce que vous êtes un homme qui a vécu beaucoup de choses. Vous avez des responsabilités sur l'état de choses actuelles, peut-être, mais peut-être aussi des choses qui en fait dont vous allez vous détacher, je ne sais pas. En fait, c'est des questions que je voulais vous poser ce soir, si vous me permettez. Effectivement, est-ce que vous êtes satisfait du système bancaire tel qu'il est aujourd'hui? Oui, alors petite précision, j'étais au bureau des banques à l'époque, mais dans un monde très différent, parce que c'était avant les grandes libéralisations de Pierre-Yves Beauvois, bien sûr. Et j'ai retrouvé cette perspective-là à partir de 2001, en rentrant à la Fédération bancaire française. Oui, c'est deux époques très différentes, voilà, vous avez raison. Très différentes. Et je m'occupais en même temps de l'Association française des marchés financiers. D'accord. Donc, dans un monde qui avait considérablement évolué, c'est-à-dire où la dominante culturelle était entièrement celle issue des États-Unis. Oui, c'est vrai. Était dans le fond à la fois la perspective de Friedman, l'entreprise n'a qu'un seul but, c'est de faire des profits pour l'actionnaire, et la perspective de Novama, c'est-à-dire les marchés efficients. Oui. C'est-à-dire l'idée que les marchés sont intègrent à tout moment la totalité des données connues et connaissables. Oui, alors sans aller jusque-là, c'est aussi, vous êtes d'accord avec moi, deux époques. Dans une époque avant, les banquiers n'avaient pas le droit de faire toute une série de choses. Voilà. Et dans la deuxième époque, dans laquelle vous êtes intervenu du côté des banquiers cette fois-ci, les banquiers avaient le droit de tout faire et on avait vu disparaître des métiers comme le métier d'agent de change, par exemple, qui a disparu en 86-88 à peu près, oui. Et qui a été repris
Dans la pratique, par les grandes banques. Pas totalement en droit, mais en réalité, oui. En réalité, oui. Et de la même façon, l'assurance, qui était interdite aux banques, était ouverte, l'immobilier, les marchés, les métaux, la distribution. Donc ces deux univers, vous avez tout à fait raison. Alors, quel est, à votre avis, alors quel est votre sentiment aujourd'hui, vous qui êtes un homme qui avez présidé à ces évolutions, d'une certaine façon, quel est votre niveau de satisfaction? Non, mais je pense qu'on a connu ensuite la crise de 2008-2009, oui, qui a abouti à un certain nombre de réformes, mais on reste dans une ambiance qui, de façon plus contrôlée, est quand même encore celle des années 2000-2010. On n'est pas revenu à ce qu'on avait pu connaître avant. C'est-à-dire qu'il y a eu, paradoxalement, une intensification des régulations, ce qui fait que le banquier peut dire à juste titre il a un métier hyper régulé. Oui. Et en même temps, comme dirait quelqu'un, le fait est qu'il y a des pans entiers de choses qui autrefois pouvaient être régulées ou interdites et qui ne le sont pas. Ou qui n'ont pas fait l'objet d'un examen aussi approfondi. Oui. Vous allez me dire, et nous le savons tous, que. Alors, en gros, on n'a pas fait porter le fer nécessairement en priorité là où il aurait été intéressant de le faire. Je prends plusieurs exemples. Bon, on a incontestablement durci les besoins en fonds propres des banques. Énormément. Donc on les a durcis. Donc ça, c'est une nouvelle règle par rapport à ce qu'il y avait en 2008. La solidité des banques est plus grande. Considérablement améliorée. Considérablement améliorée. Bon, c'était bien. Absolument. On a fait des réformes dans les marchés en promouvant des chambres de compensation. C'est les chambres de compensation, oui, c'est oui, ce qui permet oui, de. Oui. D'assurer un peu les transactions. Les banquiers auraient dû le faire eux-mêmes, mais c'est les États qui ont mis à la poche voilà, pour le faire. Mais bon, voilà. En revanche, on a, à mon avis, peu réfléchi sur, par exemple, quel est le bon fonctionnement d'un marché et qu'est-ce qu'un bon marché. Oui. J'avais publié des textes là-dessus et j'en avais fait produire un par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un bon marché financier ?» Un bon marché financier, c'est une bonne confrontation de l'offre et de la demande, où l'ensemble des parties est le plus possible à accès au marché de manière comparable, oui, dans des conditions de raisonnable sécurité, pas manipulées, pas dominées par des gens, disons, un peu plus au courant. Donc, à mon avis, sans trading haute fréquence, qui me paraît une aberration complète. En d'autres termes, on cherche à organiser le marché pour qu'il joue son rôle le plus en rapport avec la réalité de ce qui se passe dans l'économie. Alors, je partage votre avis, mais voilà, je n'ai pas du tout la même préoccupation que la vôtre. Non. C'est-à-dire que quand vous dites le trading haute fréquence est un problème, moi je vous dis que c'est un problème très accessoire. En revanche, la confusion des métiers par des gens qui ont le droit d'être à la fois courtiers, investisseurs, financeurs et qui font tous les métiers. Alors là, on tombe sur un autre problème qui est tout à fait central, c'est le cadre dans lequel on réfléchit. C'est-à-dire que quelque chose qui n'existait absolument pas il y a 30 ou 40 oui, ans, c'était le caractère international complètement ouvert. Bien sûr. C'est-à-dire, et ça change complètement la problématique. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous pouviez faire vos règles, vous les faisiez bien, vous les faisiez mal, mais pour l'essentiel, vous maîtrisiez le champ dans lequel vous interveniez. Là, actuellement, au niveau français, votre pouvoir est extrêmement faible. Ah non. L'essentiel est transféré au niveau européen. Pierre, vous ne m'avez pas convaincu. L'essentiel est transféré au niveau européen. Et au niveau européen lui-même, vous devez gérer le fait que des gens qui sont à Londres, qui sont maintenant d'ailleurs sont dehors, ou des gens qui sont à New York ou ailleurs, ont un accès à peu près libre pour permettre aux gens qui sont chez vous, aux investisseurs, aux entreprises, de faire leurs transactions. Donc je pense qu'une réforme ambitieuse, idéalement, devrait se faire au niveau mondial. Oui, mais on peut rêver. On peut rêver, mais on peut rêver. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que la France, avec vous, s'est battue pour la banque universelle en 2008-2010. Non, vous avez renforcé, des privilèges, vous avez renforcé des obligations de fonds propres, mais vous avez maintenu tous les privilèges et vous avez tenu à ce que les banques restent absolument centrales. Non, la raison pas centrale est extrêmement simple, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que si vous mettez une règle en France où vous séparez, la partie marché est perdue. C'est entièrement et exclusivement dominée par les Américains. Mais c'est donc, bien. D'une part, bien, deuxièmement, c'est bien, oui. Deuxièmement, je ne pense pas qu'une séparation stricte soit nécessaire.
Je pense qu'il faudrait, dans un modèle idéal, séparer les activités sous une holding commune, modèle d'ailleurs qui a existé à une époque aux États-Unis. Pourquoi sous une holding commune ? Ben, l'avantage d'une holding commune, c'est que vous n'avez pas pollution entre les activités. Mais oui, il y a pollution. En revanche, non, s'il y a une holding commune, avec évidemment des murailles entre les deux en dessous. Non, mais qu'est-ce que je peux... pourquoi ne pas interdire ce qu'on avait fait en 33 ? Non, parce que si vous l'interdisez et que les Américains ne le font pas, eux sont sûrs que ce n'est pas. Ça n'est pas une réponse. Ça n'est pas une réponse correcte. C'est un argument. C'est nos, un argument. Nos auditeurs en jugeront en comparant tout simplement le secteur banque d'investissement de BNP ou de Société Générale ou autre, l'imaginant séparé et le mettre en face de Goldman Sachs. C'est un argument. C'est un argument. Mais si vous voulez, je vous demande le système idéal. Dans le système idéal, on peut séparer. Je n'ai aucun problème avec ça. Dans un système où je contrôle entièrement, c'est-à-dire où je suis au niveau mondial, ou alors je suis à un niveau national ou européen, mais avec des barrières. À ce moment-là, Les barrières existent. N'importe qui peut faire n'importe quelle opération financière. On ne sera pas d'accord sur cette question. Je reviens sur le système idéal. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont absolument pourris dans le monde entier quand ils existent. Parce que de toute façon, en France, il n'y a même plus de marché financier. C'est dramatique, si vous voulez. On n'a pas véritablement un marché financier sérieux dans ce pays. Vous êtes d'accord avec moi? L'accès des Français aux actions est nul. L'accès des Français aux obligations est nul. C'est extraordinairement nul. C'est une déception, si vous voulez. On a des grands groupes, on n'a pas de marché financier. Donc, si vous me permettez, moi, je suis très, très sceptique là-dessus. Et je vous pose la question, je dis, mais au fond, c'est vrai que le système bancaire est extrêmement solide. Ça, c'est vrai. J'en reconnais. Il est beaucoup plus solide qu'il était avant. Oui, mais est-ce qu'il est juste bancaire, Est-ce qu'il est efficace et juste? Non, c'est-à-dire la question de savoir, de nouveau, dans quel cadre vous vous situez. Le dilemme du décideur français, c'est qu'il s'est constitué en France des grands groupes bancaires. Efficient au niveau européen, qui domine la scène européenne, or en Grande-Bretagne, domine la scène européenne, et qui marche. Je croise les doigts parce que dans la banque, on ne sait jamais ce que fera le lendemain, mais enfin, jusqu'à maintenant, indéniablement, c'est quand même ça a été des banquiers plutôt prudents et efficaces. Donc, c'est des bons banquiers. Mais c'est un point de vue égoïste. Je vous demande du point de vue de la société. Non, du point de vue de la société en général, pour le gros des fonctions habituellement assurées, elles sont bien assurées. Ah, vous considérez que le crédit est bien assuré en France? Je vais y venir. Il y a deux points, moi, qui me gênent beaucoup. Il y a les PME, comme vous disiez. Étant d'une famille de PME, je vois très bien la question. Je préférais la structure dans laquelle il y avait des banques spécialisées. On en parlait en aparté tout à l'heure. Des banques régionales qui avaient un rapport direct, je dirais un rapport personnel. C'est-à-dire où il y avait des gens qui étaient en rapport avec des gens et qui décidaient. Ça, je préférais. Et ça, je trouve que ce n'est pas allé dans le bon sens. Là, on est d'accord. Ça, c'est vrai. Il y a un deuxième point qui va peut-être choquer les auditeurs, c'est que sur le plan des particuliers, il y a deux défauts. Il y a un défaut qui est ce que vous disiez, c'est-à-dire que, en gros, l'accès au marché ou l'aspect à ce qui la finance un peu élaborée est complètement intermédié et opaque, alors qu'il y aurait un besoin de permettre une architecture beaucoup plus concurrentielle, parce que là, pour le coup, c'est là où l'obsession du Bruxelles pour la concurrence serait utile. Donc je pense qu'un peu plus d'ouverture serait une bonne chose. Et puis il y a un autre facteur qui est les prix. Les prix pratiqués par la banque de détail sont déséquilibrés. Tout le monde sait que le crédit immobilier n'est pas assez cher. Oui. Il est un peu renchéri par l'assurance qui est trop chère, mais l'ensemble des deux reste pas assez cher. Donc l'emprunteur est subventionné. Et comme la banque gagne de l'argent, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui payent la place. Alors, en général, c'est au niveau des commissions. Bon,
Donc la culture chrétienne, catholique, médiévale et le juste prix me dit, mais ça va pas. Et là, elle retrouve le sentiment commun parce que les gens n'aiment pas être grugés. Ouais. Ne pas être grugé, c'est dire ce prix n'est pas juste. Voilà. Et sur ce plan-là... Vous admettez que l'ambiance de concurrence dans le secteur financier n'est pas extraordinaire. Non, plus exactement, elle est bizarre. C'est-à-dire qu'il y a une vraie concurrence, notamment dans le fait que ces prix de l'immobilier sont trop bas, ouais, par rapport à ce que je vois aux États-Unis. Oui, par exemple. On peut. Et en même temps, comme dirait l'autre, sur le plan de, par exemple, des commissions, même s'il y a des différences de prix, ça ne joue pas beaucoup. Ça ne joue pas beaucoup. Donc, dans la pratique, ben, effectivement, les gens payent plutôt trop de ce côté-là et pas assez de l'autre. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai le sentiment personnel que c'est vrai qu'on n'a pas un système qui encourage l'innovation et l'emploi et la création d'emplois, comme on devrait en avoir un, c'est-à-dire avoir un secteur qui cherche à faire du crédit, à faire du crédit productif, à faire du crédit avec marge. Je l'admets tout à fait. Il faut que ça soit payé, c'est tout à fait normal. Mais de façon indépendante et de façon constructive. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir effectivement la médiocrité de la mentalité financière française qui ne finance pas l'innovation, qui ne finance pas les transformations, et en plus une certaine fuite des épargnants, car à ma connaissance, les épargnants français ont été se réfugier dans le bitcoin. Enfin, c'est tout de même ahurissant. Voilà. Oui, ils n'ont pas les seuls. Hein. Je suis d'accord. Vous êtes très réservé sur le bitcoin. Ah, je suis totalement réservé, oui. Moi aussi, je suis totalement. Nous partageons tout à fait la même opinion, mais une des raisons essentielles du développement des crypto-monnaies, c'est fondamentalement un rejet d'une certaine incertitude vis-à-vis de la banque et une certaine antipathie pour le métier. C'est même véritable. Voilà un métier qui est profondément impopulaire et qui gagne énormément d'argent. Cette année, je pense qu'on table sur 10 milliards de profits. Oui, mais la rentabilité du fonds propre n'est pas très élevée. Hein. Non, mais c'est merveilleux. C'est touchant. Mais ça, c'est un propos très touchant, mais c'est un propos de banquier. Non, c'est pas un propos de banquier, c'est un propos de marché. Parce que le banquier en lui-même, lui, il s'en fiche. De toute façon, ils ne sont pas opéables. Donc, ils pourraient très bien avoir des rendements. Oui, ils ne sont pas opéables. Ouais, donc, du point de vue du marché, les gens vont acheter les actions des banques. Vous avez raison. C'est un rendement suffisant. Mais vous vous rendez compte un peu là-bas. Tandis que les banques américaines ont des rendements beaucoup plus élevés. Mais comment est-ce qu'on peut se satisfaire d'un système qui est aussi profondément inégalitaire? Voilà un métier qui a tous les privilèges. Voilà un métier qui encourage. Les privilèges fiscaux de la banque sont hallucinants. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est que, aussi bien ce que je disais tout à l'heure sur les marchés, qu'est-ce qu'un bon marché financier, dans le fond, votre raisonnement implicite, c'est de poser la question, qu'est-ce qu'une bonne banque? Une banque, qu'est-ce que j'ai envie qu'elle fasse? Et l'énorme difficulté, c'est de savoir comment orienter ça dans un contexte réel, notamment de type concurrentiel. Et notamment, vous aviez l'air de le nier tout à l'heure, où l'essentiel des réglementations vient de Bruxelles. La réglementation la plus importante de toutes, il y a deux, par exemple, dans notre sujet qui est très important, la réglementation sur les fonds propres est entièrement bruxelloise. Elle n'est pas nécessairement mauvaise, d'ailleurs, mais elle est entièrement bruxelloise. Vous l'avez souhaité, très bien souhaité. Elle est entièrement bruxelloise. Vous l'avez souhaité. C'était normal. C'était le désir absolu la réglementation des marchés, notamment la réglementation du rapport avec les clients qui veulent investir sur les marchés, c'est-à-dire MiFID, est entièrement bruxelloise. C'est vrai. Et donc, domaines où il y a une marge de liberté ne sont pas très nombreux. Alors, on dirait la France est influence à Bruxelles et peu, etc. etc. Mais la difficulté à Bruxelles, c'est que dans l'ADN européen, il y a une certaine conception de la concurrence, essentiellement. Il y a beaucoup moins la préoccupation de savoir qu'est-ce qui est le bon marché, la bonne banque, beaucoup moins. Beaucoup moins. La France a pris une position extrêmement nette en faveur de la banque universelle, des grands groupes bancaires. Pour une raison très simple, c'est que dans le contexte européen, toute action en sens contraire, en fait, se payait les banques françaises uniquement. Eh bien, écoutez, si les banques françaises étaient devenues plus efficaces et plus dynamiques, elles auraient gagné plus d'argent, elles auraient attiré des actionnaires. Non, elles auraient été plus efficaces. Mais si, elles auraient été plus efficaces. Moi, ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, c'est que
avoir un régime bancaire aussi protégé, aussi fonctionnalisé, parce que aussi réglementé, parce que il a été fortement réglementé au niveau des fonds propres, par exemple, ça a été, à mon avis, une catastrophe au niveau économique, puisque par définition, on a retiré aux banquiers toute idée de recherche. Là, ces gens de marché, par exemple, sont aidés, dans leur majorité, en dehors des plus gros, hostiles au trading haute fréquence, parce que ce n'était pas un bon marché. Ils étaient très favorables à la recherche qu'ils pouvaient exercer chez eux, ou la recherche indépendante. Bien sûr. Parce qu'ils sont plus des gens de marché. Et donc, l'idée d'autonomiser le métier marché par rapport au reste est une bonne idée en soi. Absolument. Indéniablement, ça fait créer beaucoup d'emplois à Londres, mais entre les mains américaines. Oui, il faut reconnaître que, si vous voulez, en France, c'est, à part les banques françaises, les grandes banques françaises, on n'a pas vu développer un écosystème efficace. Alors là, c'est une autre question qui est qu'indéniablement, on n'a pas, cette culture du marché financier ici dans ce pays, de la même manière, et notamment dans la classe politique. C'est-à-dire, quand il y a eu le Brexit, il est clair qu'il y avait une occasion intéressante de développer un modèle qui pouvait être d'ailleurs un modèle différent, je veux dire, pas autant qu'on pouvait le faire dans ce contexte-là. Il n'y a eu aucun écho d'aucune sorte. Il y a eu un travail de replace. C'est pas sans résultat. On voit bien, mais par exemple. C'est tous les avantages fiscaux pour les banques, on est bien d'accord. Mais c'est un avantage fiscal non négligeable. Vous vous souvenez de la baisse de la taxe sur les salaires pour les banques? Oui, mais qui était un impôt bizarre. Parce qu'il y a Les banques ne payent pas la TVA, elles ne paient maintenant une taxe sur les salaires ridicule. Bon, les avantages. Aucune entreprise ne paye la TVA. Comment? Aucune entreprise ne paye la TVA, c'est le client final qui paye la TVA. Simplement. La TVA. Non, mais attendez, il y a tout de même des entreprises qui payent la TVA sur leur valeur ajoutée, donc il y a une partie. Non, c'est, non, elles ne payent pas la TVA, la facture à leur client. La facture au client. C'est aussi la TVA. Oui, mais ça les pénalise. Non, mais là, c'est pareil. Ça les pénalise un peu, tout de même. Sinon, il faudrait dire que les entreprises n'ont aucun coût et que ce sont les clients qui payent tout. C'est la réalité d'une économie, si vous me permettez, cher ami, c'est que si effectivement je n'ai pas à payer la TVA, j'ai un avantage technique. Objectivement, mon prix sera. Non, le prix sera plus bas pour le client final. Bah voilà. Mais le problème des banques, c'est que la TVA, vous ne pouvez pas la mettre sur le crédit. Il n'y a pas de modèle convaincant de TVA sur le crédit. Ça a été effectivement le bon motif, d'ailleurs. Je conteste l'idée que la taxe sur les salaires équilibre le problème. Non, parce qu'on a fait cette code mal taillée, et le résultat, c'est qu'on peut en discuter très longuement devant les auditeurs, parce qu'effectivement, c'est opaque. Et ça, c'est pas bon. Le bon système fiscal, c'est un système où il n'y a pas à débattre, parce que c'est clair. Autre système de privilèges quand même colossal qui a été créé sous nos yeux et que personne n'a vu, c'est le quantitative easing, c'est-à-dire des énormes... La fenêtre de profit offerte aux banques, exclusivement aux banques, par les banques centrales à partir de 2010. Pas exclusivement aux banques, parce que ça a en fait mis de l'oxygène et une euphorie délirante dans l'ensemble de l'économie. Alors, en priorité aux banques, si vous avez... Est-ce que vous êtes d'accord? Non, la différence... C'est l'argent d'abord aux banquiers, puis après aux citoyens. Le gros de la marge et de la... Le quantitative easing dépasse très très largement la profession bancaire. Mais c'est pas la profession bancaire qui... C'est la profession bancaire qui profite d'entrée de jeu d'un crédit bonifié, elle peut en profiter si elle a des emplois correspondants avec des marges correspondantes. Mais si vous regardez bien pourquoi c'est l'une des raisons principales qui était visée, c'était des systèmes bancaires comme l'italien, parce qu'ils détenaient le gros de la dette italienne. Mais on aurait très bien pu penser qu'on laissait tomber un certain nombre d'établissements et qu'inversement on donnait de l'argent à tous les citoyens. Et ça, c'est pas ce que... Oui, mais ça répondait pas à la question de l'Italie ou de la Grèce. Si, ça répondait pas à la question des banquiers italiens, je suis d'accord. Non, mais ça, c'est vrai. C'est un choix politique. Hein. Mais le choix non, mais la visée principale dans le quantitative easing n'était pas les banques. C'était pas là-dessus. Ah oui, mais c'est tout de même un avantage. Écoutez, sincèrement, si vous me proposez, comme on a proposé aux banques, de prendre des crédits bonifiés, moi, je prends. Si on me propose de céder des actifs dont je ne veux pas à un prix qui m'intéresse, je prends aussi. C'est exactement ce qui a été proposé aux banques. Donc, si vous voulez, dans les deux cas, les 4 000 milliards d'actifs
qui ont été créées, de création monétaire, qui ont été créées en faveur des banques, c'était à chaque fois une banque qui était d'accord, qui le souhaitait. C'est rien d'obligatoire. Les banquiers prenaient si ça les intéressait. Oui, c'est sûr, mais la banque centrale qui mettait en place le système visait certains systèmes bancaires, mais visait globalement l'ensemble de l'économie et les États derrière. Non, mais le problème principal, la décision de la BCE n'était pas principalement bancaire en dehors de quelques cas comme l'Italie. Elle était essentiellement l'ensemble du système financier européen et notamment des États. Bien sûr, mais c'est la création monétaire en faveur des banquiers d'abord. Non, pas en faveur des banquiers d'abord. C'est une création monétaire qui, passant par le système bancaire, aide le système bancaire. Ah bah évidemment. Mais dont l'objectif n'est pas celui-là. L'objectif, ah bah non, mais ça, dans les objectifs, c'est non, toujours... Non, mais c'est l'effet principal n'a pas été... Je connais bancaire, l'argument. N'était pas principalement bancaire. L'objectif principal, il était sur l'ensemble de la mécanique. Bon, moi, je suis très réservé sur le quantitative easing, pour d'autres raisons. Oui. Parce que je pense que c'est pas sain sur la durée. Alors. Et que je pense qu'on le voit maintenant, de plus en plus. Mais c'était inévitable. C'était totalement inévitable en 2009. 2008-2009, là, il fallait injecter de l'argent. Ah non, vous êtes en train de... Bon, je pense... C'était probablement inévitable en 2012-2013. Injecter de l'argent, c'est une bonne chose. Vous me permettrez de considérer qu'on aurait pu envisager d'injecter de l'argent en faveur des gens qu'on avait besoin. Mais on a préféré le faire par les banques, c'est une chose. Et on a probablement bien fait de le faire en général, je suis d'accord. Oui, mais bon. Il fallait s'arrêter beaucoup plus tôt. Il fallait s'arrêter. Vous pourriez vous ramener tout de même sur les travaux que vous avez faits sur la bonne finance, si vous me permettez, des travaux récents que vous avez faits sur la bonne finance. Et j'aimerais que vous me disiez effectivement ce que vous avez recommandé quand vous avez réfléchi sur l'investissement éthique, parce que c'était un peu votre sujet, si je me suis bien compris. Qu'est-ce que vous en avez retenu et qu'est-ce qui vous paraîtrait utile de faire, que ce soit en tant qu'investisseur ou que ce soit en tant que régulateur, pour améliorer la situation? C'est pas simple. Il y a d'abord un point positif, c'est que cet investissement éthique est posé comme une question collective maintenant importante et beaucoup de gens s'y intéressent. Il y a 20 ans, c'était zéro. C'était quelques gens amateurs spécialisés, souvent dans des milieux d'ailleurs religieux chrétiens, mais enfin très minoritaires. Maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui intéressent. Ça, c'est une bonne chose. Il y a plusieurs difficultés. Il y a d'abord la difficulté de savoir qu'est-ce qu'on appelle l'investissement éthique. On tend massivement à le concentrer sur ce qu'on appelle l'ESG, environnement social et gouvernance, et en réalité, surtout l'environnement, accessoirement le social. C'est très bien de s'occuper de l'environnement et du social, je n'ai pas de problème avec ça. Il y a beaucoup d'autres problèmes d'investissement éthique, il n'y a pas que ça. Il y a les produits, les clients, les prix, les fournisseurs. Enfin, le comportement de l'entreprise ne s'apprécie pas uniquement par son attitude envers l'environnement et le personnel. Ah oui, à part. Donc c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste. Vous avez parlé, vous ne parlez pas de la gouvernance, mais un des problèmes qui paraît colossal, c'est les déficiences terribles en matière de gouvernance. Oui, donc il y a énormément de choses sur lesquelles il faudrait élargir les exigences. Mais même là où on a des exigences, comme par exemple l'environnement, qui se trouve être en même temps celui qui est le plus quantifiable, au moins en théorie. C'est pas évident du tout, même. C'est pas évident. Moi, je ne partage pas votre opinion. Je pense que l'environnement est beaucoup plus facilement, plus difficilement quantifiable que la gouvernance. La gouvernance, c'est... Oui, non, je ne pensais pas à la gouvernance, je pensais à d'autres domaines. Non, mais sur la gouvernance, on ne fait rien. Oui, excusez-moi de le dire. Oui. Mais on ne fait rien. Oui, le seul truc qui est réalité et capté, c'est l'environnement, parce qu'il y a... Oui, mais... La gouvernance, non, l'environnement est populaire, mais la problématique de gouvernance, c'est une problématique d'équilibre. Oui, mais c'est pour des amateurs avertis. Ah ben non, c'est des choses... Non, mais je dis pas que ça devrait être comme ça. Je dis que de fait, c'est comme ça. De fait, c'est comme ça. Non, mais je vous pose la question parce qu'effectivement... Non, mais c'est une question très très importante. Ouais. Parce que si vous regardez la logique de ce qu'est une société anonyme et pourquoi elle est construite comme ça, c'est qu'effectivement, vous avez des investisseurs qui sont des propriétaires qui doivent exercer leur droit de propriétaire. Ouais. Tout ce qui facilite ça, théoriquement, va dans le sens d'un système plus transparent, plus attractif, tout comme ça. C'est pas une forte priorité, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, absolument. Voilà. Donc ça, c'est une des questions importantes. Mais même dans l'environnement, c'est pas simple du tout. Ah, oui, même c'est dans très l'environnement, compliqué. C'est pas simple. Donc la grande difficulté, c'est qu'on s'attaque à un truc qui est très très compliqué et très vaste. Moi, j'avais vu plusieurs fois des grands investisseurs demander aux régulateurs
donnez-nous des normes et comme ça on va s'y caler dessus. Bon, je pense qu'il faut que le régulateur intervienne effectivement pour essayer de moraliser, de clarifier, de rendre plus transparent. Enfin, il n'a pas à se substituer aux gens. Il n'a pas à se substituer aux gens. Donc le besoin qu'il y aurait, c'est effectivement une capacité d'analyse et d'évaluation indépendante et, si possible, concurrentielle, beaucoup plus développée. Oui, mais c'est clairement alors, ce besoin-là. Alors ça revient à la gouvernance, si vous me permettez, parce que assez naturellement, quand vous me parlez de l'agence de notation indépendante, etc., on retombe toujours sur les problèmes de dépendance, qui décide et qui et avec quoi. Et moi, je vais vous poser une question directe. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, Pierre de Lauzin, de la nomination d'une de vos anciennes collègues à la tête de la MEF? Elle a été ma patronne pendant quelques mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je veux dire, je ne veux pas mettre en cause, etc. Au-delà de la personne, je pense que c'est un poste sur lequel il faudrait nommer quelqu'un qui connaisse bien les marchés et qui donnait en même temps une image d'autonomie de pensée. C'est-à-dire à la fois les connaître et une autonomie de pensée. Bon, c'est pas le système français, ça. Et encore, l'intéressé n'est pas en cause. C'est un mécanisme qui aboutit à choisir des gens qui viennent d'ailleurs. Je trouve ça dommage. Je pensais qu'en France, il n'y a personne pour prendre des postes pareils. On n'a pas de compétences. On ne sait pas faire autre chose que l'inspection des finances, excusez-moi de le dire. Je sais que vous n'êtes pas de cette engeance-là, mais pas loin, et donc le fond, c'est tout de même assez troublant. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que à la base du problème de l'investissement socialement responsable, il y a un problème d'honnêteté de l'information, et c'est pas simple, et c'est très compliqué, je suis d'accord. Mais par contre, les conflits d'intérêts, c'est pas si compliqué que ça, et on les traite pas. On est bien d'accord là-dessus. Il y a beaucoup à faire, c'est un immense chantier, mais je dirais, si on veut quand même voir le côté positif, c'est que c'est quelque chose dont tout le monde se fichait il y a 20 ans, et maintenant on s'y intéresse au moins une certaine dose. Autrement dit, la question est beaucoup plus posée. Simplement, évidemment, si elle reste posée en l'air et qu'on fait rien, ça n'a pas... Mais c'est... Je veux dire, je trouve que c'est un champ prometteur. Écoutez, on a été un peu long, je suis vraiment désolé, je vous ai bloqué sur de nombreuses questions. Merci infiniment, Pierre de Lauzin, c'était très intéressant. Et j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ces conversations ensemble pendant longues années, et en espérant qu'effectivement, nous trouvions des solutions aux grands problèmes de l'heure. Et en tout cas, un très grand merci pour Éthique Investissement. Merci à vous et merci à nos auditeurs. Au revoir. Et au revoir.